c'est Mamadou Ouri Balde. Maître. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur Balde, et sauf erreur, à l'audience du 31 juillet 2023, vous avez déclaré qu'à Gamal, au niveau de Gamal, le colonel Thiébro vous a trouvé à ce niveau et il s'est adressé à Sidia en Soussou ce jour-là. Vous le confirmez? Page 29. C'est comme ça. Oui. Oui, mon colonel. C'est exact, ça. En Soussou? Oui, à Gamal. Il s'est un peu trompé. S'il disait au moins en Konyanké, il allait comprendre. Ouais. Moi, je ne parle même pas Soussou. Voilà. Je demandais à tous mes amis. Colonel. De dire au colonel. Sindia Ribid à nos côtés. Ah, quand l'eau est versée, c'est fini. Hein. Je voulais la récupérer. Konakir do hai porto et voilà une sauce. En Konakir, si même les blancs parlent de sous-sous. Vous l'icola, il faut une untara ou ramiguer ton gros chaud. Vous avez dit de façon claire, untara ou ramiguer ton gros chaud. Untara kohala hondu. Untara, c'est dans quelle langue? Oui, mon colonel, c'est ça. Mais j'ai dit que c'est de la fabulation, tout plus simple. C'est que lui-là, franchement, moi j'ai même pitié de ceux qui viennent ici. Au nom de Dieu, monsieur, peut-être avoir que j'ai attaqué un quoi. Il n'attaque personne. Parce que quand les gens fabriquent de toutes pièces. C'est vous qui faites pitié. Non, moi je n'ai pas de pitié. J'ai fait oui, monsieur, non, monsieur Balde, une autre question, on va continuer. Quand les gens viennent ici, voilà. Allez, il faut un montage de toutes pièces. Taïwan, chinoise, tout. Ils viennent raconter la vie sans aucune preuve. C'est très grave. Il n'a qu'à comprendre, que je ne parle pas ce sou. Et ce jour-là, j'étais avec les leaders groupés. Comme vous avez vu sur les images. Dans les images ici, dans les vidéos, vous avez vu, j'étais là avec eux groupés. Et les mêmes leaders ont dit ici ce que j'ai dit. Je tentais à ce qu'on reporte la chose au lendemain. Et les autres disaient non, c'est trop tard, les hommes sont innocents, c'est simple. Et vous voyez. La médiation, jusqu'à la dernière minute, peut porter. Et vous voyez. Donc, ce jour, c'est bon. Je vais parler à Sidia en Soussou. C'est bon, hein. Une autre question. Oui. Ensuite, vous avez déclaré qu'il a dit à M. Aïla Seloudan Ndialo, vous avez pris des loubars. Voilà, Niala Gi Seloudan Kos, loubars, mais j'ai tout. Donc, il a dit, ça aussi, c'est clair. On est Monsieur Dalin, oui. Il a dit Monsieur Dalin. Assafourlay, président Dalin. On ne sait pas les solutions. Il dit c'est pas la solution. Prendre des loubars pour faire descendre dans la rue. Prendre des loubars pour le faire descendre dans la rue. Donc, on a mis un c'est là-bas où moi-même j'ai répondu. Bon. Vous avez répondu en disant quoi? Parce qu'il s'adressait à M. Dalin. Mais je suis garde-corps de Dalin. Ah. J'ai répondu, on est loin d'être loubar, on est garde-corps de notre patron. Nous sommes garde-corps de notre patron. La ferme sur cette rentre. C'est là-bas il a répondu, en tant que cadre, tu la fermes où je te rentre. Cadre du ministre de. Un ministre de la République qui s'adresse à un petit moment comme ça, là, je te rentre dedans. Mon colonel, oui. Merci, monsieur le président. C'est grave, l'heure est grave. Je vous dis, le grand frère d'Alain, je ne l'ai jamais dit président. Je ne l'ai jamais dit monsieur. Je l'ai toujours appelé grand frère. Tous les leaders. Tous les leaders y compris. Ah, c'est un. N'est pas fini. Et tous les leaders y compris. Et le mot Louba n'est pas venu de moi.
et je n'ai pas entendu. Ngol, Gongol, Lubar. Voilà, le Kanko Kadonana, le Wayen Gongol. Deuxièmement, lorsque je parle avec les leaders là, le monde entier était à l'écoute, la presse y était. Le mot Luba n'est pas venu de moi que quelqu'un exhibe. Une autre question. C'est bon. Et Monsieur Baldé, vous avez également indiqué que le colonel Moussa Tchebro Camara a voulu kidnapper El Hadj Sellou Diallo. Le colonel nous donne mouvement notre kidnapper à la Guinée, Kadi. Maître, c'est comme si ça s'était passé devant vous. Il faut être sûr de cela. C'est grave. Ah bon? Mon colonel, oui. Monsieur le Président, c'est vous qui souffrez parce que c'est trop compliqué tout ça. Pour dépeindre tout ça là, détester la vérité dedans, c'est un peu compliqué. Heureusement que nous sommes là pour une question de preuve. Monsieur Sellou Diallo, comme il le dit, grand frère, comme je le dis, président, comme il le dit, jamais il ne s'est pas passé. Quoi que ce soit, la presse était là, l'image était là. Et ce jour-là, si moi je tentais kidnapper, kidnapper, hein, est-ce qu'il connaît le mot kidnapper, kidnapping? Moi, je suis chargé de crime organisé. Président, c'est le grand banditisme. Depuis 14 ans, je connais ce qu'on appelle kidnapper. Si moi j'avais tenté celui-là kidnapper, monsieur le grand frère d'Alain, le lendemain, c'était parti pour les antennes. Parce que c'est un monsieur, vous le connaissez? Il est l'homme le plus coté. C'est bon. Il a de popularité. Tu vas lui dire d'abord qu'il n'a pas. L'endemain, ton c'est nom bon. N'a pas dit la fille. Je peux reprendre. Allez-y. Le kidnappé. On va être clair. Vous n'êtes pas venu comme en l'intention de le prendre au collet, par exemple. Président d'Alain, on rentre ensemble au SAD. Vous avez dit, président d'Alain, on rentre ensemble au SAD. Vous êtes venu nous caresser comme ça. Là, parce que vous êtes plus géant que lui. Vous avez même baissé la tête en lui faisant. On va rentrer ensemble au SAD. On va rentrer au SAD ensemble. Alors, il s'est dit, où dit-il, pick-up des cabines. Parce que c'était un pick-up des cabines. Et là, il s'est venu ouvrir les trucs là. Derrière. Vous tenez la porte de devant. J'ai dit que l'Alaj Sedou n'a pas compris ce que vous voulez. Il a mis la main comme ça. On est tout le monde rentrons au stade, allons. Rentrons au stade, allons. Je suis venu, j'ai soulevé ma tête comme ça, je l'ai regardé. Mais Fonditung est moi aussi. Dès qu'on s'est croisé les yeux, il a souri. Puis, président, qu'est-ce que vous nous faites? Non, il ne faut pas avoir peur. J'ai répondu là-bas en poulard. Ça va toucher et ça va mordre, ça ne mordira pas, il ne faut même pas toucher. Jipe. Descendez. Et faire la sartine de cèdre. Il a voulu prendre ça au sérieux. Descendez. Minangiri beni. Je l'ai pris comme ça. C'est bon. Oui. Merci, Monsieur le Président. Lui, c'est un champion. Monsieur le Président, pas pour vous attaquer. Franchement, parlant, c'est grave. Ce que je vous dis, Monsieur Dalin, qui est un grand frère, qui est parti chez moi, dans le Konya, aller remercier mes parents de l'avoir sauvé au stade. Ce monsieur, le lendemain de ces atrocités, n'a jamais parlé. Parce que ça, c'est un point essentiel. La presse est là, hein? La télévision, tout le monde est là. Presse publique, privée. Ce qu'il dit là, c'est un point essentiel. Si cela se passait, il vient dire, monsieur Dalin, allons au stade, tu vas sensibiliser les gens. Kidnapping, on n'a plus le kidnapping, hein? On est maintenant dans la façon de dorloter M. Dalin pour l'embarquer dans mon pick-up. La presse n'a pas montré ça. Aucune image n'en fait cas. Et moi, j'ai dorloté M. Dalin. Allons dans mon... Et ils sont venus s'interposer. Sinon, j'ai envoyé M. Dalin tout de suite là. Mais, mon ami, on est où là? On est où? On est où? Non, attendez. C'est bon. Monsieur, non, j'ai pas fini. J'ai un mot qui reste. Il faut que les gens comprennent. C'est très important ce qu'il veut dire.
pour que les gens comprennent que nous sommes en face de l'histoire, que nous sommes dans un procès public, qu'il y a des gens qui sont là, qui domptent, qui analysent, c'est leur travail. Lorsqu'on n'a pas de preuves, on se tait. C'est bon, s'il vous plaît. Lorsque on c'est veut bon. Mentir sur un citoyen... Je dis que c'est bon. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, honorable membre. Ministère public. Merci, M. le Président. Merci également, distingué, honorable assesseur. M. Baldé. Président. Alors, je ne vais pas revenir sur des points qui ont été posés par le conseil de colonel Kébro. Lors de votre passage également, vous avez dit que ce jour, colonel Kébro proférait des injures. Est-ce que vous le confirmez? Et quels sont les termes qu'il a utilisés qui sont assimilables aux injures? Malgré minanta français. Moi, malgré que je ne comprends pas français. Je rentre. Ah, le mot je rentre, ça ce n'est pas du respect ça. Donc ma personne ça m'a touché. So ordonne garder ma copie nangi on a bon. S'il avait ordonné ses gardes, prenez-les, l'envoyez. Il n'a pas envoyé que c'est sécurité, ma compagnon. Ça, on peut dire que c'est pour la sécurité. Ça peut être accepté. Mais ministre de l'État. Mais un ministre de l'État. Faire face à quelqu'un contre là, je te rentre dedans. Bon, la personne n'a rien fait du mal à la personne. Ah, ça, je mets ça à la disposition du tribunal. Le tribunal n'a qu'à constater ça. Colonel, oui. Vous avez eu à tenir ces propos? Mais je l'ai confirmé ici, je l'ai dit, mais pas contre lui. Quand vous avez regardé un peu, si vous suivez un peu la télévision, ou bien c'est pas la vidéo, je l'ai dit, quand je parlais avec les leaders, pendant qu'on parlait tranquillement par rapport au repos, les enfants qui disaient, j'ai dit, taisez-vous. Celui qui parle encore, je le rentre dedans. Là, je l'ai dit, depuis le premier jour. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Parce que tout ce qu'il raconte, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas constaté sur le terrain. Il ne s'est rien passé entre le propos, d'échange de propos entre lui et moi. Rien de tout ça. Tout a été monté de toutes pièces. C'est bon. Vous venez juste me salir. C'est bon. Alors, M. Baldé, également dans votre déclaration, vous avez eu à dire un élément très essentiel. Il n'a pas été posé par le conseil de colonel Kébro. Déclaration selon laquelle, étant sur les lieux, vous avez vu colonel Kébro qui a pris une certaine distance pour aller parler au téléphone, appeler quelqu'un au téléphone. Oui. Ça, je l'ai dit. Il peut m'excuser. Je ne sais pas s'il a parlé avec un de ses petits ou c'est avec le président, avec qui, n'importe qui. En tout cas, il avait pris du recul, il a parlé au téléphone. C'est après ça qu'il a voulu kidnapper la cellule. Vous le confirmez, monsieur le colonel? Pas du tout. Il n'avait ni téléphone, ni talki sur les lieux. D'autres l'ont dit ici. Ni téléphone, ni talki. Et heureusement qu'il ne comprend pas français. Heureusement. Oh, Jogano, qui tal qui a la téléphone. Nous n'avons pas encore des affaires en interférence. Monsieur Baldé, c'est après cette conversation, selon vous, et le président Cédou Dalin, il voulait kidnapper, prendre le président Cédou Dalin. Oh, papa, nous n'avons pas encore kidnappé de Aladji Cédou Dalin. Il y a un téléphone au Arti. C'est en ce moment, quand il a fini de parler au téléphone, il est venu prendre la cellule comme ça, là. On rentre ensemble. Excusez-moi. Wallahi billahi. Mm-hmm. Le tribunal d'Yodi Dendo. Wallahi billahi. Nous sommes devant le tribunal. Un jour, nous allons mourir. Ils vont nous demander. Tribunal pour nous garder dans notre bien. Il y a un tribunal qui est supérieur à celui qu'on est face aujourd'hui. Là. C'est là-bas où l'être humain doit craindre. Tout ce que vous allez cultiver ici, c'est ce que vous allez moissonner là-bas. Vous ne pouvez pas s'aimer, par exemple,
du riz et vous allez récolter le fournier ou autre. C'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je peux répondre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me dis que ce monsieur, je ne peux pas l'indiquer, mais ce taux, ce qu'il dit est très grave. J'ai dit tout de suite que M. Dallin était là. J'ai dit aussi que la presse toute entière était là. Si moi je prenais le grand frère Dallin, c'est déjà une bonne image qui peut frapper à l'international, qui lui apporte une seule preuve par rapport à cela. Et le président Dallin lui-même ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est grave. Parti civil. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara Thiago, est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas de talkie ou de téléphone et que vous ne vous étiez pas mis à l'écart pour communiquer? Je viens de le répondre, non? J'ai dit que sur le place, il n'y avait ni téléphone à main, ni talkie. Si vous avez des preuves, apportez. D'accord. Monsieur Baldé, vous confirmez qu'effectivement, vous l'avez vu avec un téléphone en train de communiquer. Vous confirmez? C'est tout le monde qui peut mettre ça en doute, mais lui, il sait, Dieu sait qu'il avait le téléphone. Monsieur Kamara, oui. Lors de votre passage ici, et conformément à votre déposition, disons conformément à votre vos affirmations au cabinet d'instruction, vous aviez dit que à partir de Kenya, vous aviez appris par téléphone que les hommes Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous confirmez? Je pense qu'on ne va pas confondre tout. Moi, je note tout. Hein. J'ai des brochures que j'ai. Oui ou non? Oui ou non? J'ai dit. À partir de Kenya, c'est pas Talki. Et tous les officiers qui sont venus là, tout le monde a entendu, hein, pas Talki, que les militaires sont venus au stade et que devant, Touma y est. Et Touma, est-ce que c'est lui qui a envoyé? Est-ce qu'il n'est pas envoyé? Je ne connais pas. Et d'accord. Mieux que ça, on n'a pas parlé de là-bas. D'accord, c'est compris. Donc, quand même, vous pouvez confirmer que ce jour, vous étiez avec un Talki, au moins une communication. Monsieur l'avocat, je vous dis que le Talki, tous les véhicules de commandement sont montés de Talki. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur. À l'intérieur, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Ballier, vous pouvez disposer.